可道，非常道，名可名，非常名，无名，万物之始，有名，万物之母。故常无欲，以观其妙，常有欲，以观其教。此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。The way that can be told of is not an unvarying way. The names that can be named are not unvarying names. It was from the nameless that heaven and earth sprang. The named is but the mother that rears the 10,000 creatures, each after its kind. Truly, only he that rids himself forever of desire can see the secret essences. He that has never rid himself of desire can see only the outcomes. These two things issued from the same mold, but nevertheless are different in name. This same mold we can but call the mystery, or rather the darker than any mystery, the doorway whence issued all secret essences.那些可以用言语来说明的道，不会是永恒的道；用来标注的名称，也不会是恒久的名称。不惯以名称的思考方法，会使人更容易理解天地未判的初始状态；而加注了名称的思考方法，会让人们容易理解万物化生的出处。所以，通常无所追求，更方便观察无以名状的微妙。通常若是有所追求，则更容易明了成名化物的根本。人类的思考能力与欲望追求这两方面，出自同一个根源，名称不一样，都可以称作玄。都可说是很幽深的。明了了这种幽深叠加幽深的思维取向，是了解一切奥妙和复杂现象的门径。La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel.L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de pensions, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des pensions, on le voit sous une forme bornée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents.On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. 道德经第六章，古神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。 The valley spirit never dies.
It is named the Mysterious Female. And the doorway of the Mysterious Female is the base from which heaven and earth sprang. It is there within us all the while. Draw upon it as you will. It never runs dry. Lie Tzu quotes these lines as coming from the Book of the Yellow Ancestor, but it does not follow that the Tao Ching is actually quoting them from this source. They may belong to the general stock of early Taoist rhymed teaching. For Ching, compare below chapter 52, line 9, and Huainan Tzu 1, volume 2.虚神永远存在，可以称它为无比幽深的生殖之源。通向这个无比幽深的生殖之源的门径，就是这个天地世界的根本。它绵延存在，而又若有若无，它施展的作用无穷无尽。L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la femelle mystérieuse. La porte de la femelle mystérieuse s'appelle la racine du ciel et de la terre. Il est éternel et semble exister matériellement. Si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue.道德经第七章，天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私也，故能成其私。Heaven is eternal, the earth everlasting. How come they be so? Is it because they do not foster their own lives? That is why they live so long. Therefore, the sage puts himself in the background, but is always to the fore. Remains outside, but is always there.Is it not just because he does not strive for any personal end that all his personal ends are fulfilled? 天长地久，天地所以能够长久，是因为他们不去强求一种非其不可的状况维持，所以能够长久。因此，圣人把自己的切身利益滞后，反而成了人群的首领；把自己的身家性命置之度外，反而更好地保护了自己的身家性命。不正是因为他对自己很无所谓吗？这样反而可以更好地成就他自己。Le ciel et la terre ont une durée éternelle. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. De là vient que le saint se met après les autres et il devient le premier.Il se dégage de son corps
et son corps se conserve. N'est-ce pas parce qu'il n'a point d'intérêt privé? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés.《道德经》第八章：上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时，夫为不争，故无尤。The highest good is like that of water. The goodness of water is that it benefits the 10,000 creatures, yet itself does not scramble, but is content with the places that all men disdain.It is this that makes water so near to the way. And if men think the ground the best place for building a house upon, if among thoughts they value those that are profound, if in friendship they value gentleness, in words truth, in government good order, in deeds effectiveness, in actions,timeliness. In each case, it is because they prefer what does not lead to strife, and therefore does not go amiss. Even ordinary people realize the importance of the Taoist principle of water-like behavior, i.e., not striving to get on top or to the fore.最高的善就像水一样，水善于滋润万物，却不欲其争短长。它总是停留在众人不愿去的低洼之地。这种品德最接近于道。上善的人总是甘居卑下的环境，心胸善于保持沉静，而深远博大。待人善于相助，真诚可亲，说话善于信守诺言，为政善于治理，办事善于发挥所长，行动善于把握时机。正因为有不争的美德，所以才不会出现过失，招来怨咎。L'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau. L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. Elle habite les lieux que déteste la foule. C'est pourquoi le sage approche du Tao. Il se plaît dans la situation la plus humble. Son cœur aime à être profond comme un abîme.S'il fait des largesses, il excelle à montrer de l'humanité. S'il parle, il excelle à pratiquer la vérité. S'il gouverne, il excelle à procurer la paix. S'il agit, il excelle à montrer de la capacité. S'il se meut,Il excelle à se conformer au temps. Il ne lutte contre personne. C'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme.
道德经第十章，宰盈破抱一，能无离乎？专气致柔，能如婴儿乎？涤除玄鉴，能如疵乎？爱民治国，能无为乎？天门开阖，能为雌乎？明白四达，能无知乎？生之畜之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是为玄德。When the intelligent and animal souls are held together in one embrace, they can be kept from separating. When one gives undivided attention to the vital breath and brings it to the utmost degree of pliancy, he can become as a tender babe. When he has cleansed away the most mysterious sights of his imagination, he can become without a flaw. In loving the people and ruling the state, cannot he proceed without any purpose of action? In the opening and shutting of his gates of heaven, cannot he do so as a female bird? While his intelligence reaches in every direction, cannot he appear to be without knowledge? The Tao produces all things and nourishes them. It produces them and does not claim them as its own. It does all and yet does not boast of it. It presides over all and yet does not control them.This is what is called the mysterious quality of the Tao. 灵魂与肉体融为一体，能永不分离吗？聚集精气达到柔和，能像出生的婴儿一样吗？洗尽思想上的尘垢，能让心地宽广的如一尘不染的明镜吗？热爱百姓，按照道的法则来治国，能保持无为的境界吗？口鼻自然的开启，呼吸吐纳，能绵绵细静的慈守吗？通达四方，能不玩弄权术和心智吗？生阳抚育了万物，却并不据为己有，为世间立下了卓越功勋，但并不自恃有功，滋养了万物，但并不出于主宰地位，这就是最高深的德。L'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Si l'âme conserve l'unité, elles pourront rester indissolubles. S'il dompte sa force vitale et la rend extrêmement souple, il pourrait être comme un nouveau-né. S'il se délivre des lumières de l'intelligence,Il pourra être exempt de toute infirmité morale. S'il chérit le peuple et procure la paix au royaume, il pourra pratiquer le non-agir. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle, c'est-à-dire rester en repos.Si ces lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant. Il produit les êtres et les nourrit. Il les produit
il ne les regarde pas comme sa propriété. Il leur fait du bien et ne compte pas sur eux. Il règne sur eux et ne les traite pas en maître. C'est ce qu'on appelle posséder une vertu profonde.道德经第三章，不尚贤，使民不争，不贵难得之货，使民不为盗，不见可欲，使民心不乱，是以圣人之志，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使夫志不敢为也。为无为，则无不治。不崇尚贤才异能，使人们不至于炫技逞能而争名逐利；不看重稀贵之物，使人民不做盗贼。不显露足以引起贪欲的物事，使人民的心思不至于被扰乱。因此，圣人治理天下的原则是排弃充斥于人民心中的各种成见，满足人民的温饱需求，软化人民的降职需求，提高人民的自足自立能力，通常使人民不执成见，不生贪欲，使那些智者不敢为所欲为，从事以无所成为的作为，即可以得到全面的治理。道德经第四章，道充而用之，祸不盈。渊兮，似万物之宗，错其锐，解其分，和其光，同其尘。湛兮，似或存，吾不知谁之子，象帝之先。道是虚无的，但它的作用却似乎无穷无尽。它是那样的幽深莫测，像是一切存在的本源依归。它消磨了锋角，排解了纠纷，柔和了光芒，浑同于尘俗。它无形无迹，像是很不确定的存在。我不知道在它之上还能有什么更本源的存在，只觉得它存在于天地之前。道德经第五章，天地不仁，以万物为刍狗。圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其有橐越乎？虚而不屈，动而愈出，多言数穷，不如守中。天地无所谓仁爱之心，把万物都当作刍狗来对待。圣人也不知求仁爱之心，把百姓也当作刍狗来对待。天地之间，不正像是气囊或空管那样的大空泡吗？它虽空虚，但却不会塌缩，运行之中，生化不息。
孜孜于仗名立言，往往行不通，不如持守空虚而顺任自然。